Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce que veulent dire les chiffres qu'on utilise pour euh, écrire un nombre. Alors par exemple, on va se dire que quelqu'un est arrivé et qu'il a écrit le nombre 25. Donc 25, il l'a écrit comme ça, avec un 2 et un 5. Voilà. Alors quand on écrit ça comme ça, un 2 immédiatement à gauche d'un 5, dans cet ordre-là, eh bien le 5 qui est ici, il représente 5 unités. C'est le chiffre qui nous dit combien il y a d'unités. Alors il y a 5 unités. Et puis le 2 qui est là, qui est juste à gauche du chiffre des unités, eh bien ça c'est le chiffre des dizaines. Ce 2 qui est là nous dit combien il y a de dizaines. Donc ça, c'est la place des dizaines. Donc finalement, ben, on peut voir ça comme ça. Hein. Ce 2 et ce 5 mis l'un à, mis à un côté de l'autre, en fait, c'est 2 dizaines. 2 dizaines, plus 5 unités, plus 5 unités. Unité. Voilà. Là, c'est vraiment ce qui est écrit ici. Hein. Quand je lis ça, un 2 à droite d'un 5, eh bien ce 2 qui est là vaut 2 dizaines et ce 5 qui est là vaut 5 unités. Donc en tout, j'ai 2 dizaines et 5 unités, c'est-à-dire 2 dizaines plus 5 unités. Alors maintenant, je vais essayer d'utiliser ces barres-là pour... Euh... M'aider à comprendre. En fait, j'ai fait un dessin des dessins ici. J'ai représenté une unité par une barre comme ça, verticale. Hein, c'est un peu comme l'idée d'un doigt levé qui marque le 1. Donc, ça, c'est une unité. Et puis au-dessus, j'ai fait un groupe de 10 blocs comme ça, donc de 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, effectivement, ça, c'est bien un bloc de 10 unités. Donc c'est bien une dizaine. Alors je vais, en fait, je vais maintenant travailler avec ça. En fait, ici, quand j'ai 25, j'ai deux dizaines plus cinq unités. Alors deux dizaines, je vais les prendre ici, je vais matérialiser ces deux dizaines. Donc là, j'ai une première dizaine. Voilà. Plus une deuxième dizaine. Je vais la mettre ici. Voilà, et puis maintenant je vais prendre des unités. Alors j'ai oublié de mettre un, site, un signe égal. Hein. En fait je représente ce nombre là, deux dizaines plus cinq unités. Ici j'ai mis les deux dizaines et à côté je vais mettre les cinq unités. Donc je vais prendre, copier cette unité là. Donc cinq unités, Alors, en voilà une. Une deuxième, je vais la mettre ici. Une troisième que je mets là. Une quatrième ici. Et une cinquième que je mets ici. Voilà. Alors bon, je, en fait, là, j'avais deux dizaines plus cinq unités. Ici, j'ai mes deux dizaines plus les cinq unités. Alors maintenant, tu peux compter ici. Deux dizaines, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qui sont là. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc deux dizaines, effectivement, ça fait... 20, ça, tous ces blocs-là, en fait, représentent 20, et 20 unités, évidemment. Donc là, j'ai 20 plus 5, les 5 qui sont là, les 5 unités qui sont là, ça représente le nombre 5. Donc finalement, tu vois que quand on écrit 25 comme ça, un 2 et un 5 immédiatement à droite, eh bien ça, ça, ça revient en fait à écrire 2 dizaines plus 5 unités, c'est ce qu'on a vu, et en fait, 2 dizaines plus 5 unités, c'est exactement...